Donc voilà, comme vous l'avez compris, Ghostbusters. J'avoue, quand j'ai foutu Ghostbusters Shitty Flute, je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai été surpris par internet. Allez, c'est parti. Ghostbusters. Tout, tout, tout. J'adore ce thème. Franchement, c'est très bien. Alors, j'avoue, alors, le jeu, j'y ai pas joué du tout. J'ai juste testé tout à l'heure. Et Ghostbusters, je connais pas vraiment en fait. Je l'ai vu quand j'étais petit il y a longtemps. Je m'en souvenais pas du tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avant le stream, je me suis maté Ghostbusters. et c'était. Ils ont un peu mal vieilli. Et ben, je trouve pas du tout. Je trouve que l'humour, il reste. Il marche bien. Je trouve que le film est très marrant. Je trouve qu'il est bien rythmé. Oula. Alors chez moi, le jeu a planté, mais pas chez vous. Voilà, le jeu, il a pété chez moi, mais pas chez vous. Je comprends pas, la capture marche toujours, mais... Mais attends. Je crois... Non, le jeu a craché. Oh là là. Ah là. Ah là là. Aïe ah, aïe. Ah non, le jeu, il m'aime pas, mec. Mais non, mais en plus, le son, il était décalé. Attends, on va réessayer, d'accord. Certaines personnes peuvent être sujettes à l'épilepsie, ouais, tu m'étonnes. Fun fact, le scénario de ce jeu aurait dû être le scénario du 3, mais ils ont eu un gros film de merde à la place. Mais oui, c'est ce que je me suis dit, en fait, en commençant le jeu, et il a été écrit, en plus, par Dan Aykroyd et un autre gars, je crois. Donc, ouais, non, je pense qu'ils avaient un bon truc, mais c'est juste pas devenu un film, quoi. Oh, attends, est-ce que ça a marché cette fois-ci? Parce que j'ai pas eu de problème tout à l'heure. Ah! Bah, je crois que c'est bon. C'est pas très fort, hein, mais ça ira mieux après. Ghostbusters! Et je pense que je mettrai le 2 après ça, du coup, parce que le premier, j'ai vraiment bien aimé. En plus, il y a My Girl Sigourney Weaver, donc petit bisou, Sig. Je sais pas, j'ai évité de l'appeler Sig. mais respect. Le 2, je le préfère de ouf, mais j'avais déjà bien kiffé le 1, donc si le 2, il est cool aussi. Ah, spooky, scary, skeleton. Je commence à piquer là, donc je vais y aller, m'en voulez pas, c'était cool, bonne soirée Zoubi. Bisous Choubi, merci d'être passé mec. Oh mon dieu, une meuf un peu bonne avec des cahiers. Et attention. On va se faire suspendre tout le stream. Ils vont copyright tout le stream. On va perdre la vidéo. Je pourrais pas demander à YouTube de virer la chanson. Oh, YouTube, copyright. Voilà, Dan Aykroyd et Harold. Ouais, voilà. Oh non. Ouf. Je crois qu'ils l'ont capturé, Harold Ramis. No, we do not summon dead family members, then catch them so you can ask the combination to the safe. Yeah, well, same to you, pal. Oh mec, ça fait chaud de le voir le jeu en 60 FPS, moi qui l'ai fait sur PS3. Bah oui, tu m'étonnes. Oh, merci Marion, merci beaucoup mec. Welcome aboard. This might be a little dangerous. Et donc du coup on joue un nouveau, un petit nouveau dans l'équipe quoi. On joue un petit peu le rôle de Winston dans le premier quoi. Je bressais un peu le son après, j'ai l'impression que c'est un petit peu fort là, mais faudra me dire au pire. Hein. Non, remarque, c'est peut-être bon. My name's Niggerman, comme le chat de Lovecraft. C'est les vrais, c'est Bill Murray vraiment, enfin c'est tout le monde qui les ont doublés ou quoi?
Dan Aykroyd, celui qui joue Egon et tout là. Ah, c'est pas lui, je crois, lui. Ou alors c'est lui qui est mort. Peut-être que du coup ça explique. Ah mon dieu, une vague psionique. Je trouve que c'est bien amené le fait qu'on joue un petit nouveau et pas un perso connu. Ouais, je trouve que c'est pas mal aussi, ouais. Substantial, a significant collection. C'est Egon qui est mort? Non. Agreed. We need. Parce que Murray et Croyd, ils sont encore vivants. C'est du coup c'est Egon qui est mort. T'es tellement obnubilé par le chat de Lovecraft. Mais non, mais ça m'éclate. C'est tellement immoral, amoral d'avoir un chat qui s'appelle Niggerman que. Vrai doublage, excepté pour Bill Murray qui n'a pas voulu. Non. Oh le relou. Quel gros casse-couille. Et donc ouais, moi j'ai pas fait le jeu, je sais juste qu'il était buggé à l'époque. Regardez, regardez, 60 FPS. Slimer's escaped again. Oh mon dieu. No, wait, come back. Alors il y a plein de trucs, je crois, à trouver, à collectionner, etc. C'est quoi ça? You have 7 new messages. Emergency. Let's move. Et du coup, ça c'est le casque qu'il y a dans le 1 aussi. C'est marrant, il y a tout plein de références. Tu sens que les gars, ils ont bourriné toutes les références qu'ils pouvaient pour coller au maximum au film. Et c'est vraiment sympathique. Je trouve que c'est vraiment fait avec amour. Est-ce que tu penses... Attends, interagir, c'était pas le billard quand même. Putain, si on pouvait jouer au billard, poteau, mais... Missing an opportunity. Tu penses... Putain, je peux pas vraiment jouer. Oh mec. What? Ça sert à quoi? Oh, je suis trop vénère. C'est le jeu. Alors c'est le remaster de Binocle. C'est celui qui est sorti il y a pas longtemps sur PC. Il est sorti il y a un mois peut-être, non? Oui, le mec qui a joué dans Spaceballs. Oui, c'est lui, ouais, carrément, mec. Slimer went that way. Follow him. Ah, mais il a juté partout. C'est que des l'ectoplasme. Il a foutu de l'ectoplasme. C'est de l'ectoplasme, je vous jure, c'est pas dans South Park où Randy... Ah oui, si, alors l'épisode, c'est qu'il y a une panne d'internet et il y a des camps de réfugiés d'internet, en fait, où ils arrivent à avoir un petit peu d'accès et Randy marche, il utilise son accès pour aller voir du porno et il se couvre de sperme et il dit « Ah, c'est de l'ectoplasme !» Et ça me fait rire. Et oui, le jeu est très joli. Attends, fais voir, est-ce que je suis... Le menu des ouf. Oh, c'est stylé! Fais voir dans les options si je suis au maximum. Paramètres, audio, vidéo, sous-titres, oui. Ah, c'est ma 970. Élevé, oui, élevé, non. Oui, non, ça, on s'en fout, je vais pas verrouiller à 30 FPS. Bon, bah voilà! Bah écoute, je suis au maximum. Impeccable. C'est marqué quoi là? Feeling sick, going home early. Louis Tully. Ah, bah oui, Tully, du coup, il est devenu leur comptable, non? Justement, celui qui joue dans Spaceballs. Il me semble qu'il est devenu leur comptable après, à la fin du 1. Oh, you're too busy, huh? Parce que comme j'ai pas vu le 2, je suis pas sûr. Et ça, c'est The screams of the damned call for you. Ouais, je crois que je suis en train de spoiler le 2, poteau. T'as pas vu le 2, Rissan, donc je dirais... Ouais, dis-moi rien. Y'a pas de problème. Ah ouais, tout a pété, mec. J'espère qu'on va pouvoir conduire l'Ecto 1, mec. La sirène de l'Ecto 1, je sais pas pourquoi elle me fascine autant, je la trouve géniale. Je trouve déjà qu'il la fait super bien. Ok, attention. Ah yes. Ah, y'a un bon feeling en plus sur le canon à proton, mec. Oh mec. Qui te spoil un peu le 2, non mais après c'est ma faute, j'aurais dû... Le 2 j'aurais dû le voir bien avant, c'est pas de la faute au jeu, c'est ma faute à moi. Hein. Come on kid, we got a job for you. Taking the right precautions, Slimer's harmless. More or less. Not sure about the other guy though. Okay, let's go get him. Oh and don't sweat the containment. It's easy to get excited your first time out with the protons. Ah, yes.
Merde, je peux pas faire de screen. Pourquoi je peux faire de screen? Je l'ai acheté ou je l'ai pas acheté? Je sais plus si je l'ai acheté le jeu. Je sais pas. En tout cas, je peux pas faire de screen. VLMF deploys. On va dessiner des grosses bites dans vos cahiers de texte. Des pros. Everything you need to know is displayed on the pack itself. Here's where you can. Ah oui, il y a un petit truc à la Dead Space 2 aussi où du coup il y a pas vraiment de HUD et tout est sur le pack à proton déjà de base. Et ça c'est toujours un truc qui me fait extrêmement kiffer. Ça, on m'entend bien au-dessus du jeu ou quoi? Est-ce que c'est bien net ma voix là? OK. We break it into three basic steps. Sap 'em, cap 'em and trap 'em. The first step is blasting a ghost to sap its energy. Dan Aykroyd, je sais pas si vous saviez, mais lui, l'acteur Dan Aykroyd, en IRL, il est complètement taré. Genre, il est vraiment, vraiment, complètement, complètement fou. Attends, je vais baisser un petit peu. Il est complètement, complètement fou. Il a monté sa propre marque de vodka. La vodka, elle est dans des bouteilles en forme de crâne de cristal. Et il explique qu'en gros, sa vodka, elle a été triple distillée dans des diamants. Je sais pas quoi. Il est complètement, complètement barge. Et John Tron a fait une vidéo vachement sympa là-dessus d'ailleurs, si jamais ça vous dit. Donc du coup, ouais, y a l'espèce de... Y a une barre qui augmente au fur et à mesure à cause du pack à proton parce qu'il chauffe. Et il faut recharger le pack à proton, enfin l'aérer, le refroidir, avant qu'il me pète dans les doigts. Il est devenu ultra obèse. Ultra obèse non, mais il est devenu... Ouais, il est bien fat, ouais. Il a de l'isolation, comme on dit. Ne croise pas les effluves, malheureux. Ah, oh, je sais pas, il dit qu'il faut pas croiser les effluves, puis à la fin, faut croiser les effluves. Voilà. Et donc, du coup, là, je tire normalement, et si j'appuie sur LB, en même temps, je vais pouvoir le contrôler, comme ça. Si j'arrive... Si, attends. Voilà. Merde, non, ça c'est la... c'est le poteau. Attends, c'est super dur, mec. Attends, Dan Aykroyd, attends. Putain, mais j'ai que les poteaux. Ah. Voilà, impeccable. Et en gros, c'est un petit peu comme à la pêche. Il faut l'épuiser. Allez, connard. Allez, gros cul. Ah, c'est le fantôme de Pierre Villemar. Tout commence en 1971. Allez, Pierre. Allez, Pierre Villemar. Oui, oui. Ah allez gros, mais c'est incroyable, mais non, c'est le fantôme de Christine Boutin ou quoi? C'est son cousin. C'est avec lequel il s'est marié. Voilà. Merde, je crois que j'ai tabassé Dan Aykroyd. Allez. Donc voilà, maintenant on lance le piège. Tac. Et il faut la tirer là-dedans. Allez. Voilà. Et ensuite faut le diriger là-dedans. Et blip. Oh. Eh ben. C'est cool, non? Eh, franchement, comme système, je trouve que c'est vachement sympa comme système. C'est très action, tu vois, mais je trouve que c'est vraiment sympathique. En plus, on peut éclater plein de trucs. C'est marrant, au niveau technologie, ça me rappelle un petit peu Stranglehold. Pour ceux qui ont joué à Stranglehold sur PS3, ça m'étonnerait pas que ce soit la même physique ou le même engine en vrai. He's our new experimental equipment technician. He gets a cool title, too? It means he gets to carry around a bunch of untested, extremely dangerous hardware that, if not handled correctly, could blow him somewhere into New Jersey. Oh, this knucklehead. Pourquoi tu trembles, Bill Murray? J'ai pas voulu faire mon doublage. J'ai autre chose à foutre que faire du doublage. Comme jeu dans Zombieland. J'attends le mode où tu joues les persos de Extreme Ghostbusters. Y avait pas une meuf un peu bonne dans Extreme Ghostbusters, une gothique un petit peu? Le dessin animé, c'est le dessin animé Extreme Ghostbusters, non? Il me semble. Et ouais, il y avait la nana avec ses pièges là. C'est ça, non? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai pas suivi. Dan Aykroyd, je dois faire quoi? Si on a une, ouais, c'est ça? Ok. Elle s'appelle Shad. Comme Shadman. Et c'est pas de bol, hein. Ouh! Merci pour le sub, Max Mildan.
T'as fait planter mon jeu, dis donc. Comment va? Ça fait du bien de vous revoir avec 3 semaines de service militaire. Ouh! Eh ben ça s'est bien passé ou quoi? Eh, nous ça va impeccable. Moi ça va impeccable en tout cas. Alors je suis désolé, le jeu est en train de charger, du coup il vient de à moitié crash. C'est tout pété hein. C'est tout. Oh oh! Ah! Ça bouge! Ah c'est bon! J'ai plus de son! Ah c'est bon, ok, impeccable. L'armée suisse, bon ça va. Ah mais du coup t'as pu garder ton gun, non? Il me semble qu'après le service en Suisse, t'as pas le droit de garder ton arme. Ou alors c'est des conneries qu'on m'a raconté. Oh la physique avancée, poteau. Il est joli le jeu en vrai. Et c'est marrant parce qu'en fait j'en ai beaucoup entendu parler du jeu. Mais ça doit être une des adaptations, un jeu vidéo d'adaptation de film, adapté de film. Ça doit être la mieux en fait, non? En vrai. Il est dans mon salon là. Oh nice. Ah, référence au premier encore. Putain, c'est marrant du coup, je les ai les références. Invoices. Right, invoices. You'll see that your warranty on rehaunting expired some time ago. Je peux pas voir ma gueule moi? J'aurais bien voulu voir ma gueule. Ah. Oula. Ah. C'est marrant le truc. Oh, je peux speedrun un poteau. Et pourquoi Bill Murray il a pas voulu faire le doublage dans le jeu, ce sale fils de pute quoi, il aime pas les jeux vidéo encore là. Putain, c'est incroyable, le mec il a autre chose à foutre quoi. En fait ce jeu utilise le scénario qui devait être utilisé pour SOS Phantom 3, donc c'est même plus une adaptation à ce stade. Oui ouais, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, ouais, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. C'est ouf quand même qu'ils aient mis autant de moyens en fait quelque part dans leur adaptation, c'est cool. J'aime bien. Suivre Peter et Ray. Putain, je connais leur nom en plus. Ça c'est ouf. Mais je dis surtout le fait que en général les adaptations de films pour un jeu vidéo, ça donne tout le temps de la merde. Enfin, c'est vraiment très très rare que ça donne des vrais bons jeux, tu vois. Mais celui-là a l'air d'être vraiment pour le coup un vrai jeu sympathique, un vrai bon jeu sympathique. Never gonna happen. Mais c'est pas déjà des rockstars au niveau à la fin du 2, les Ghostbusters? Enfin, déjà à la fin du 1, tout le monde se chie dessus quand ils sont là. Mec, si Bill Murray il dit à une meuf, hey madame, direct, pam, ectoplasme partout dans la grosse chatte. All right, Ace, get ready. Dr. Stance, if you do the honors. Proud to Dr. Venkman. Vous êtes pas vraiment docteur non plus. And in close quarters. It minimizes the city's liabilities and satisfies the restraining order the maid here has. Ils ont, mec, ils ont des comment des ordonnances restrictives. Là, vous avez déjà fait ça dans le premier film, les gars, réfléchissez un peu. Ce qui manque sur ce jeu, c'est un bon mode coop. Ah oui, bah oui, carrément. C'est quoi? Ah merde, non, c'est la thune qu'on perd! Quel con, je suis en train d'éclater les trucs en me disant ah, trop bien, je gagne de l'argent! C'est comme dans Zelda! Il y avait de la coop sur l'original, arrête! Et ils l'ont pas gardé sur PC, putain, c'est dommage! Ça aurait été génial! Oh! Oulala! Ah, puis même les effets de lumière, ils sont cool et tout! Non, il est vraiment sympa le jeu, il est vraiment joli à voir en plus! C'est pas de la thune que tu perds, c'est un compteur de dégâts. Et il faut le garder bas pour avoir une bonne note ou pas? Ok. Du coup, je peux casser les trucs quand même, ça dérange pas? D'accord. Si ça, vas-y, va encore violer des meufs. Oh, ça m'étonnerait tellement pas que... Comment il s'appelle? Bill Murray, il est déjà touché des gonzesses à Hollywood. En vrai, c'est évident, non? Paragoggles are linked directly to your active PKE meter. This lets you see otherwise undetectable phenomena while you're tracking. Ghost trails. J'aime bien quand tu parles de Necroid parce que t'es vraiment malade. T'as vraiment un gros problème. Oh mec! Non! Oh, c'est grave stylé, mec! Ah, j'adore! Ah si, c'est bien foutu, mec. Je peux l'enlever? Non. Green indicates an environmental paranormal anomaly. Blue,
means an active sample. D'accord. Oh là là. Mec, c'est comme dans Alien Isolation, mais en plus rigolo. Getting warmer. Y'a un truc là-bas, ça sent la pute, ça sent la pute. Y'a des putes, Dan Aykroyd. Yes. Sort of like taking a good snap. Careful. Ok, je sais pas trop ce que j'ai foutu. Acheter une amélioration. Oh là là, vas-y, fais voir. Qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Acheter concentration du rayon, d'accord. J'ai 1700 balles. Réduction du recul, amélioration du psychotensiomètre, amplificateur du recharge de psychotensiomètre, piège éclair, piège smash. What? Je veux ça, moi. Putain, je peux pas. Vas-y, concentration du rayon, on verra bien. Ça fait quoi? Limite à dispersion du rayon. Ouais, d'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas? Voilà. Tu gagnes pas de la thune en cassant tout. Ah ouais? Bah écoute, eh, quitte à faire. Non? Tu vois, par exemple, j'ai 2000 balles. Ah non, j'en ai que 200. Mec, j'ai une énorme fausse joie. Je sais pas si c'était évident à l'écran là. Ok. Regarde les dégâts environnementaux, si c'est pas mal. Bon, c'est pas non plus. Ouf, hein. Mais c'est sympa, non? Ah, pardon. Avec l'ectoplasme. L'ectoplasme. Est-ce que Dan Aykroyd, c'est un fantôme? Non, pas encore. Ça va pas tarder. Ah. Ah. An active sample is something you can collect, like a cursed artifact. We get paid. D'accord. Ah, d'accord. Ouais, c'est les trucs à collectionner. D'accord, je vois, Dan Aykroyd. C'est plus réaliste que Call of Duty. Ah bah oui, ouais. C'est pas compliqué, remarque, tu me diras. Remember, you can always review techniques, tutorials and equipment in your online Ghostbusters. C'est quoi ça? Pourquoi je... It's all accessible from your PK. Pourquoi j'avais une icône? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Pourquoi je vois du rouge? Ah, c'est mon... Mon nouveau pouvoir, non? Ah oui, c'est ça, à mon avis, je dois en avoir plusieurs. Ça va être un genre d'écran de sélection de ton pouvoir, en fait, quelque part. Ouais, c'est ça, ouais, j'imagine. Bah ouais. Oh, on peut sprinter en plus. Ah, c'est marrant. Ah, leurs petites animations, regarde. Ah, mais en fait, c'est exactement la même scène que le premier, quoi. C'est marrant, ça. Ce qu'il y a de bien, c'est que tous les artefacts que tu trouves se retrouvent dans ta base et tu peux interagir avec. Donc là, du coup, j'en ai ramassé un. Plateau de Gustave, ah oui. Oh mec, ça c'est plus ou moins Dark Souls, quoi. Un service en argent acheté au célèbre hôtel de Gustave en Autriche après qu'il ait été ravagé par un incendie mystérieux. Seule une partie du service apparaît dans les chambres du Sedgwick. Spontanément, et seuls les clients effrayés se demandent toujours si le service est vraiment gratuit. En fait, c'est plus ou moins SCP, quoi. All about teamwork. Oh non, my friend. That was back in the pre-sliming era. Right now. It's all about payback. La première mission, c'est complètement le premier film. Ah d'accord, ok, ouais. Ah bah oui, le hall d'entrée, après ça va être la salle de bal, non, j'imagine. More ghosts? But we gave this hotel a clean bill of health 5 years ago. New people die every day. Call the elevator, Junior. Ok. Ah, pour l'instant, je suis on board, poteau, là. C'est rare que je joue à des jeux qui m'intriguent comme ça. Yes. Allez, montez, j'ai pas envie de trop... Ah. C'est dégueulasse. Oh, le vieux skin. Ah bah, il est tout propre, ok. Alright, Slimer. Ça va, ils le prennent bien, le laser à proton. Ouais, je trouve aussi, ouais, il l'encaisse plutôt pas mal. Mais c'est marrant, en fait, mon perso ressemble à un mix littéralement entre Dan Aykroyd et Bill Murray, en fait, justement. Je suis leur fils caché, c'est quoi le délire? Un peu pâteau, en plus. Par contre, Ruche, je sais bien que t'aimes tout casser, mais faut contrôler tes envies si tu veux gagner des thunes. Ah, mais j'en perds quand même de la thune! Non. J'en perds pas de la thune, c'est juste un compteur, non? S'il te plaît, je t'en supplie. C'est bon, c'est juste le juif. On peut y aller. Allez, let's go. Ah, le voilà. Yes. Ah, d'accord, il y en a plusieurs en plus. Ouh! Oh la vache! Oh, je me suis fait enculer, mec! Et du coup, j'ai des petites esquives à la Dark Souls aussi. Enfin non, c'est un peu plus merdique que Dark Souls, mais bon, ça suffit. Ok. Oh là, je fais du bordel partout, mec.
Tu vas me faire croire que la PS3 elle faisait tourner ça? Ouais, j'imagine pas à 30 FPS quoi. Oh 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 oh. Ouais, ouais. Ouais, un comme ça, c'est ça? C'est un comme ça. Hop, ok, y'en a un. Ok, ok, attends. Hop, oh putain, ça mort, au boulot! Au boulot! Et voilà, impeccable. Attends, je le récupère tout de suite pour pas me faire niquer. Non, je peux pas encore. Ok. Ah, yes. Du coup, c'est vraiment sympathique en fait à jouer. C'est bien moins chiant que ce que je pensais, tu vois. Ok. Ah, on est tous dessus en plus là, comment c'est stylé! Mec, il ferait une petite mise à jour et un mode coop à 4. Oh mec. Il tiendrait quelque chose. En vrai, il tiendrait quelque chose de ouf, mec. Je sais pas pourquoi ils le font pas. Je suis même pas sûr que ce soit compliqué à foutre en place en plus. Ah, tu veux pas un truc trop compliqué, mais pouvoir au moins jouer les IA, quoi. Ce serait grave marrant. Vas-y, on va essayer d'en capturer plein. Ah, bah il se barre. Yes. Top. Ray, follow me. The others are floating back upstairs. Venkman, you two pull our friend Slimer into a trap. On va chercher Slimer. Ok, bon bah tant pis. There's a massive bulge in these spikes indicating this isn't just some routine clearing job. J'aime bien en vrai, je suis attendri par le film. Enfin par le jeu. Parce que par le film ici on remarque. Mais parce que j'ai l'impression qu'il est, il est plein de bonnes intentions en fait, tu vois ce que je veux dire? Et du coup j'aime bien. J'avoue ça résonne avec moi ça. Et il est même pas cher en plus je crois sur Steam. Je suis pas sûr que je l'ai acheté, mais je crois qu'il est même pas cher sur Steam, donc limite, foncez hein. Foncez le choper hein. Surtout là pour Halloween, s'il y a bien des films et des jeux qui s'approchent le plus d'Halloween, c'est quand même Ghostbusters quoi. Il est pas sur Steam? Mais sur quoi alors? Vu qu'il n'y a pas d'autres plateformes de jeux vidéo, je crois pas. Sur quoi il est? Ouais, ton doubleur il est schlassax, poto. Il y a un petit côté Alien Isolation, mais en avec ça là, mais j'avoue, je suis quand même plus à l'aise là. Bonjour Bill Murray. We're gonna take a little shortcut through the kitchen. C'est super marrant ce que tu me racontes, ça, sale fils de pute. Ah, il est sur l'Epic Game Store. Ah, mais c'est peut-être pour ça que je l'ai pas acheté du coup. Enfin, que j'ai hésité. Okay. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a une map sur Hitman Contract qui ressemble à ça. Non, sur Blood Money même. Ouais, y'a tout qui bouge. Bill Murray, y'a tout qui bouge. Mais en vrai, ça manque un jeu, tu vois, qui soit pas forcément inspiré de ça, tu vois. Mais qui soit un jeu d'investigation comme ça, etc., je pense. Ça serait sympa, non? Dommage que les gens ils hésitent trop, putain, mais ils devraient vraiment me demander des idées de jeu quoi, parce que putain, je serais là pour eux moi. Attends, parce qu'il bouge de temps en temps. Non, je crois que c'est bon, je crois que j'ai déjà repéré, c'est bon. Ah! Je me suis pris une armoire sur la gueule, Bill Murray. C'est bon, c'est une armoire en alu, elle est super légère. Attends. Biboup, là-bas. Alors. Ok, allez, non, j'arrive pas. Ok, Vampires The Masquerade Bloodline, mais est-ce que tu peux te détendre quand même? Attends, j'ai pris des photos. J'en ai vu un, mais... C'est moi, j'ai vu un... Merde, un fantôme, ou que j'allais dire zombie, vampire. J'ai vu un fantôme ou je suis fou? Ou c'était Bill Murray? Va y avoir un jeu de chasse aux fantômes à la propre... Ah oui, exact, où tu peux lâcher des trucs sur les gens et tout. J'ai pas confiance. J'ai vraiment pas confiance en... Fous de ma gueule toi, gros cul. Voilà. En vrai c'est un peu flippant. Non, c'est pas flippant quand même. C'est pas flippant, je trouve ça super sympathique. Je trouve qu'il y a bonne ambiance en vrai. Et justement le côté un petit peu où il y a des frissons, on sait pas où, tu vois. C'est pas flippant, c'est juste intriguant en fait. Un petit peu comme les nouvelles de Stephen King, tu vois ce que je veux dire. Y'aura pas des petits Twinkies quelque part pour faire une petite blague?
All right, check this out. To trap them, you've got to grab them, and to grab them, you use the other half of the proton one. To catch them. That's all there is to it. Ah, d'accord. Young anywhere. Ah, yes. C'est impressionnant quand même la physique là-dessus, non? Ah, d'accord. j'ai rien dit. Oh, j'ai rien dit. C'est très, très brut. C'est très, très, très brut. Non, bien sûr, je me chie pas dessus. Non, bien, oui, mais c'est vrai ce que tu dis. Il y a un petit côté, ouais. C'est intriguant, quoi. Moi, j'aime bien. Moi. C'est juste ce qu'il faut. C'est un petit peu comme les épices. Moi, tu vois, je suis pas trop épice. Ça m'arrache vite la gueule, tu vois. Mais c'est-à-dire que moi, plus ou moins, rien que les tomates, ça pique. Donc je peux t'assurer que le tabasco, ça rend pas pour moi, tu vois. Mais quand même, un petit peu d'épices, et bah c'est... Oh. Oh. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Donc ouais, j'imagine que les maps sont assez étendues quand même. Et qu'il y a des références vraiment partout sur plein de trucs que tu ramasses, etc. Ah ouais, ça c'est trop kiki, ça c'est clair. Il est moins dans le film, mais ouais, c'est trop kiki. Mais vous avez vu quand même à quel point je suis dévoué à LMF d'avoir maté un film juste pour avoir des références sur un jeu, quoi. Est-ce que quelque part, est-ce que je suis pas sympa quand même, mec? Je suis sympa ou pas? Est-ce que vous pensez que je suis sympa? You know, I thought that guy said Rodriguez Bar Mitzvah. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? T'es antisémite? Ok, c'est bon. Après, il y a des références aux deux aussi, donc fais gaffe. Ouais, ouais, bah, j'imagine, ouais. Après, les références aux deux, je les aurais pas, quoi. C'est juste ça le truc, hein. Allez, oh, on est en train d'éclater toute la bar mitzvah. Même les bruitages, l'ambiance, les. Tout est vraiment bien foutu, quoi. Et le fait en plus, comme vous le dites, qu'ils aient pris un scénario qui était à la base censé être un scénario du 3, ça prouve encore plus que ouais, ils tiennent à leur truc, quoi. C'est pas où? Mon psychotensiomètre. Et mon psycho... Oh, oh, oh. Vasistos. Attends, y'a un truc là. Y'a un truc qui rapporte de la thune d'un Aykroyd. Je veux dire Bill Murray. Bill Murray? Attends, il est où? Je suis fou, quoi. C'est après? C'est peut-être derrière? Ah ouais, je crois que je suis en train de me faire tabasser. Ouais. On verra après. Tire dans le tas. Ah oui? Y'a un truc ici, tu crois? Non, y'a rien. Attends, on verra. On va déjà choper l'autre enculé, là. Allez, gros cul, voilà. Bah, je veux bien, mais... Ah, merde. Je suis désolé, Bill Murray, il m'a échappé. Je suis désolé. Mais il est où le truc là? Il y a du seed. Peut-être un truc à porter. Un truc à porter? Ah oui! Attends. Non, je peux pas le porter ça. Je peux rien en faire de ça en fait. Attends, on verra. Ah, j'ai. Allez! Oh la vache! Lance le piège, ouais tu l'as. Yes, lance le piège, yes. On va le choper. Bill Murray, il avait autre chose à foutre que passer son temps à jouer à un jeu de merde. Ok. Ah, il est à moi. Nique ta mère. Faut jouer en jeu libre, y'a que les Lego monstres qui peuvent passer. Quel connard, je crois que t'étais sérieux. Je croyais qu'il y avait vraiment un free game. Genre tu pouvais vraiment juste te balader et capturer les trucs. En vrai ça aurait été marrant, non? What have you done? The guests are arriving in 15 minutes. What? Eh bah tu ranges, t'as 15 minutes, ça va. Thanks to me. Qu'est-ce qu'il fait l'espèce de vase derrière là? Pourquoi il fait du breakdance? Freestyle. Rock on microphone. Straight from the top of my dome. You're welcome, huh? And to the Rodriguez, l'chaim from the Ghostbusters. T'es fatigué, hein? T'es vraiment fatigué. C'est après, tu crois, le l'artefact? On va retourner voir vite fait. Je suis en train de tout éclater. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas par là déjà en tout cas.
C'est peut-être après, ouais, c'est peut-être derrière. Peut-être la partie à droite. Non! Wow! Sérieux? Attends. Oh la vache! Non! Oh la vache! Oh, c'est vénère comme truc caché, mec! C'est super stylé! You found a secret. Ça, c'est Quake! Ils sont encore mieux planqués que dans Quake! Je suis pas fan des bar mitzvahs, je suis désolé, hein. Moi, j'en ai pas eu une, alors je sais pas pourquoi les autres, ils pourraient en avoir. Oh, my lovely hotel. Pète le vase qui danse. Ah, mais il danse pas, regarde, il s'est calmé. Oh, une pastèque. Attends. Oh la vache! Mais... Oh, mec insupportable! Oh le mec, fallait pas l'inviter quoi! Attends, voilà! Je me prends avec moi, je l'aime bien ce vase. C'est un beau caillou. Je l'aime bien. Ah, il a explosé dans les mains, ok. Allez, le piano! Putain, je peux pas choper le piano. Oh la vache! Oh c'est ouf! Il faudrait qu'il ressorte un Ghostbusters, tu vois. Avec le système de destruction qu'il y avait dans les alphas de The Force Unleashed. Avec les différentes textures, les différentes résistances et tout. Et avec le géomode. Avoue, le géomode, il a pas eu assez d'amour dans toute son existence. Je sais pas s'il s'appelle encore le géomode d'ailleurs, le moteur physique. Faudrait que je vérifie. Ça se trouve, il a été rebrand et maintenant il est autre chose. Et il est dans autre chose aussi. Ouh, maman. Allez, laisse-toi faire, putain de fantôme gilet jaune. Voilà, impeccable. Allez, tac. Balance le piège. Ah, il les balance pour moi en fait. Voilà. Yes, yes, oui. Voilà. Pour moi. Voilà. Ouais, c'est le moteur de Red Faction Guerilla Géomode. Et il était super impressionnant. Et j'avoue que c'est assez badant qu'il ait pas été utilisé plus que ça. Vous lancez un piège, les mecs? Ou je le fais? Non, il y en a là? Non? Ok, je dois le faire? Ok, bah je le fais alors. Allez, voilà. Yes. Mais faut les scanner. Genre, attends. Toi, ta gueule, voilà. Balance ton piège. Balance ton port. Balance ton piège. Hashtag. Attends, voilà. Et yes. Et du coup, je peux... Non, mais non. Je peux pas les scanner. Non, je peux pas les scanner. Ok, ça se fait automatiquement. Balance ton fantôme. Bon, c'est bon, on a fini là. Tout. Attends, est-ce que je peux. Il est en train de cramer. Est-ce que je peux acheter un autre truc? Oh, j'ai 8000 balles, mec. Je peux m'acheter des trucs là. Réduction du recul, amélioration. Hein, piège éclair. Piège éclair, ça peut être pas mal, je pense. Voilà, impeccable. Ouais, ça me plaît ça. Et piège smash, c'est quoi? Tout. Ok. Faut le scanner avant de le capturer. Ah ouais, avant de le capturer, ouais, c'est chiant, mec. C'est trop long, je suis trop rapide, ouais, la capture. Je suis un extrême Ghostbuster. Je suis en train de foutre la merde. Je suis en train de leur éclater leur hôtel, poteau. Oh merde! Qu'est-ce que... Ah d'accord, non, je crois que c'est moi qui avais déclenché ça. Je me suis dit merde, j'ai causé trop de dommages, du coup ça a foutu le bordel. Ah, il y a un autre truc. Yes. L'IA alliée est pas dégueu. Bah elle a pas l'air, ouais, elle a l'air plutôt pas mal. En vrai. Voilà, impeccable.
Non, en plus, c'est cool parce qu'il faut être attentif, du coup, faut être. Faut ouvrir l'œil pour trouver les trucs. T'as fait venir un Devil Joe. Oh merde. Oh non, non, s'il te plaît, pas le Devil Joe. Pas lui. Un Kézu, pourquoi pas, tu vois. 28 balles. Putain, la vache. Vous l'avez eu pas cher, votre merde. Les oiseaux. Fine wines, les gars. Les oiseaux. Tu vois, voilà. Hop, je gribouille tout, vous avez niqué vos mères, voilà. Un Rajang. Du coup, j'ai toujours pas vu ce qu'il est, le Rajang, dans Iceborne, vu que ça m'intéresse plus tellement. Ah, ça m'intéressera quand ce sera sorti sur PC, quoi. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'il fout, ce con? Oh, mec, il est super stylé, c'est Scad! Mec, le fantôme marin, c'est beaucoup trop classe! Vous pouvez parler un peu plus fort, par contre? Non, c'est bon. C'est Barbe Noire de Pirates des Caraïbes 4. C'est dans le 4 qu'il est? Avec Penelope et Cruz? Ah, je crois que c'est Tu m'envoies pas des chiasses dans la gueule, dis donc! Nice, impeccable. Mandrill, le site de Volition, créateur du Géomode, est libre, donc plus d'infos sur le Géomode. Oh merde! Oh mec! Oh, c'est badant ça! En plus, je suis le seul à parler du Géomode et à m'en souvenir avec. Bah, avec de bons souvenirs justement. Qu'est-ce que c'est que ces emmerdes? Qu'est-ce que c'est? You died! Et là, je me réveille dans un chariot pour aller à Elgen. Ok. C'est. Mec, c'est super classe, regarde! Il a changé. Putain, la vache, mec! Alors, en même temps, j'ai commencé à déconner. Bioshock, ouais, plus ou moins. Je suis désolé, je parle moins parce que je suis. Je suis marqué par le jeu, mec, c'est super stylé. Oh là là, oh! Culé de ta race, viens là! Ok, je lui ai rien fait, je crois que je lui ai pas fait de dégâts. Attends, les failles semi-dimensionnelles. Je sais pas si ça va me plaire. À part si c'est un truc où tu peux glisser ta kékette un peu comme un Glory Hole. Là, je dis pourquoi pas. Quand mon psycho bassomètre, il est en train de péter un plomb. Ah! Oh là là, oh là là. Bah oui, le jeu est excellent, mais j'avoue que... Tout paraît normal, ouais. Oh, oh mec! Oh, truc de ouf! Ça fait une espèce de petite... des petites araignées en chandelle! Le jeu est excellent, mais je pense que je vais pas pouvoir... montrer à quel point il est cool. Attends, du coup je peux les... Oh, nice! Je vais pas pouvoir vraiment montrer à quel point le jeu est cool, je pense que c'est un jeu dans lequel il faut bien s'immerger, tu vois. Prendre son temps, jouer tout seul, voir les petites références, bien chercher. C'est pour ça que je pense que je vais juste vous faire la première partie là sur le jeu. Et vous laisser faire la suite, vous jouerez de votre côté, j'ai pas envie de forcément tout vous montrer. Désolé hein, mais ça me tient à cœur quand même. Ok, c'est toujours cet étage là quand même. Je peux passer par là-bas? Non, je peux passer par là. Non. Ok. Attends, on est par là-bas. En vrai, tu dois tellement te chier dessus quand le compteur il s'agit dans cette situation. Bah, déjà là, ouais, d'accord. Même si, bah, en tout cas, dans Ghostbusters 1, il y a des trucs un peu chauds, tu vois, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas trop au courant, qu'ils vivent un peu leur vie, tu vois. Enfin, qu'ils jouent leur vie sur leurs attaques. Mais imagine sur Alien. Tu vois le petit tweet? Tweet, 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 tweet. Qui s'approche, mon gars, tu dois... Oh. Il y a un truc qui est passé à toute berzingue. Ah, par là-bas. Voilà, on s'approche. Je peux pas monter là-dessus. Je vais faire le psychotensiomètre, mais... Ok, attends, faut faire le tour. Mec, il a bloqué avec des coraux, sale fils de pute. Attends. Des Philippe Candel.
On passe pas à toute vitesse devant les gens, hein. On est pas en fantomie ici, hein. Hop, allez, casse-toi. Non, ça passe quand même. Je bourrine. C'est pas grave. Attends. Cassez-vous. Voilà, impeccable. Tout cramé. Matt, le psychotensiomètre quand tu... Psychotensiomètre, oui, c'est ça, quand tu l'utilises pas, il est quand même actif sur ta hanche. Oui, c'est ça, parce que je vois du rouge, en fait. Mais je sais pas si... Les petites branches, elles s'ouvrent. Non, j'ai pas l'impression, hein. Faut quand même que je le prenne à la main pour qu'il soit très expressif. C'est bon, j'ai pris une photo. Oh là. J'ai réussi à prendre une photo de lui, je l'ai snap. Pokémon snap, Ok. Important. Pokémon snap. Putain, j'ai réussi à choper un coussin. Oh, fuck. Et du coup, je peux pas les capturer parce qu'ils ont pas assez d'âme. C'est un peu comme les Chinois dans Oblivion. Est-ce que ce serait pas trop marrant que dans Oblivion, il y ait une des races, genre les Khajiit, tu vois. Que quand tu les butes, ça remplit pas de gemmes spirituelles. Avoue, ce serait gaulerie, franchement. Ce serait bâtard, mais ce serait super drôle. Ils arrivent à l'infini ou quoi? Je suis en train de me faire enculer le cul par des chandeliers. Je suis en train de me faire éclataxe. Je me suis fait buter. Je me suis fait buter par des chandeliers, mec. En parlant de Elder Scrolls, Skyrim, on en parle. De quoi Skyrim, on en parle? Là, faut tout refaire, là! Oh, les enculés! De toute façon, je pense que... Ouais, tu sais quoi, je vais finir ça. Je veux pas couper maintenant. Je vais finir après cette mission, là. Tant pis s'il faut tout refaire. Ah, en stream, tu veux dire? Bah, attends, mec, j'ai Fallout 4 à finir. Tu dois te calmer ou quoi? Ah non, bien sûr que ça arrive Skyrim, mais attends, j'ai des trucs à faire avant. Faut que je finisse Fallout 4. J'aimerais aussi faire Far Cry 2. Même si c'est pas tout à fait pareil. Je sais pas si je peux prendre une photo de lui ou pas. Attends, il est de l'autre côté. Le plus gros problème dans ce jeu, ce sont les checkpoints. Ils sont très mal foutus. Ouais, ça a l'air des checkpoints très... J'ai envie de dire des checkpoints PS2, quoi. Des checkpoints très tardifs et très ponctuels. C'est vrai qu'on voit ma vie, quand même. Faudrait que je regarde un petit peu sur mon pack à protons. Je regardais le HUD, mais en fait, c'est marqué sur le pack à protons. Ok. Le site de Volition est mort, mais Volition appartient maintenant à Deep Silver, qui appartient à THQ Nordic. Du coup, THQ doit avoir des droits sur le géomode, mais ils en font un. THQ Nordic, c'est quoi récemment qu'ils ont fait là? Merde, c'est pas par là. À chaque fois, je me gourre, je le sais, hein, mais je me gourre. Putain, mec, d'avoir le géomode et de rien en foutre, c'est. Ce serait à s'arracher la peau des couilles, hein, franchement, c'est frustrant de ouf. Oui, c'est Darksiders, c'est bien ça. Métro en plus! Putain. En plus, sur Darksiders, tu pourrais tellement foutre le bordel. Ah, c'est à se coincer les couilles dans une porte, comme dit Seigneur Jacquard. Jacquard, je crois. Oh, c'est la physique que je vois sur cette flotte. La physique piquée sur la physique qu'ils ont de leur tissu. Pas mal. Ils ont 200 licences, poteau. Alors. Ou alors t'es en train de dire un truc qui va dans mon sens, en fait. Ils ont 200 licences et ils en font rien, quoi. C'est incroyable. Les mecs, ils veulent pas d'argent, quoi. L'argent, ça les intéresse pas, quoi. Attends, faut que j'en élimine un maximum, que je me casse. Putain, mais la vache, ils font mal, en plus. Vos gueules, voilà. Est-ce que t'as vu que j'ai une petite étoile de mer sur mon pack à protons, mec? Derrière. Mec, je suis en train de me faire éclater encore, mais je vais encore claquer. Non, mais... Mais mec... Mais... Est-ce que vous pouvez me laisser tranquille 2 minutes, mec? Attends, mais c'est quoi le délire, là? Oh! C'est quoi leur problème? T'es mauvais, Jack. Bah ouais, mais les fantômes, ils sont méchants aussi, mec, hein. Allez, speedrun. Volition, c'est Red Faction et Saints Row.
Bah ceux qui là récemment en plus ils ont sorti leur fixe de Saints Row 2 sur PC. Je pense qu'à un moment Scal il voudra le faire en coop d'ailleurs. Je pense qu'on va vous le streamer Saints Row 2 en coop. Parce que c'est son, ça c'est son truc. Donc là il y a Homme 0, Lampadaire 1. Bah si tu veux on reparle de ton boss fight sur Code Vein Yadar hein. Moi ça me dérange pas hein. On va y couler. Ok, je pense qu'il faut que je me place mieux. En plus, Saints Row 2, c'est le début de votre histoire d'amour entre vous deux. Ah bah oui. Mec, on pouvait pas saquer avec Scad. On s'insultait à chaque fois qu'on pouvait. Mais méchamment en plus, c'était pas pour déconner, hein, on s'insultait vraiment. À un moment, il dit « Tu veux jouer à Saints Row 2 ?» Il fait « Ouais, voilà. » Et voilà. On est cons, c'est incroyable. on est vraiment des gros débiles. Mais ouais, c'est comme ça que ça s'est passé, ouais. Ensuite, il a disparu dans les eaux avec Tabarly et on l'a plus jamais revu. Enculé, connard. On va jouer à Saints Row 2. Allez, ouais, bah c'est plus ou moins. C'était exactement ça, Hoffman. Mais c'était vénère, moi je me foutais de sa gueule, il se foutait de ma voix à l'époque en plus. Et j'étais super, obsédé par ma propre voix. Y'a pas des coups de crosse ou un truc comme ça, mec? Ils vont revenir. Mec, j'en entends. Allez, ça me fait peur les lampadaires maintenant, je vais psychoter sur les lampadaires. Ah, toi ta gueule. Toi ta gueule, voilà. Ah, ça commence. Ça commence, voilà. TG. On va essayer de reculer en les éclatant. Voilà, du bon placement. On temporise. C'est pas des lampadaires, c'est des chandeliers. C'est des candélabres même. Plus que des chandeliers. Parce que là, c'est les chandeliers à plusieurs bougies, je crois que ça s'appelle des candélabres. Attends, parce que... J'ai cru voir un truc, c'est quoi? Y a... Non, la barre bleue, elle a toujours été là, je crois. Ok. Voilà, ta gueule. Impeccable. Il y a même l'effet d'humidité sur le papier peint, mec. Est-ce que si tu veux le détail quelque part il est pas trop poussé mec. Il m'avait dit je l'insistais vraiment, je l'aimais pas et un jour on a joué mec et on passait notre temps à s'insulter. À chaque fois qu'il me voyait sur le chat, il m'insultait, je l'insultais et je finissais par le bannir. Une fois je l'ai banni pendant une semaine. Parce qu'on s'était insulté. Eh on s'aimait pas mec avec Scad. Et ouais, Saints Row 2, je pense que c'est un peu comme la tartiflette, en fait, ça unit les peuples. Oh, je suis KO. Merde. Je suis chaud. Qu'est-ce qu'il fait? Tu me fonces pas dedans, ta mère la pute. Tiens, je t'envoie un siège sur la gueule. Tac, ça marche pas. Parce qu'il est pas physique. Ok. Allez, ouf, poisson dans la gueule. Ah, il va me foncer dessus. Non, il se casse. Et il a. Esquive. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il est en train de foutre. Ok. Allez, Captain Igloo, laisse-toi faire un peu là. Ok. Vous n'êtes pas aussi mis violent sur la gueule à cause d'un dessin sur Paint. Ah oui, c'était pas sur Paint, mais oui, c'était avec Adwim, ça. Le 4, Saints Row 4. Il m'avait cassé les couilles, Saints Row 4. Moi, le dernier que j'avais bien aimé, c'était Saints Row 3. J'avais vraiment, vraiment bien kiffé. J'y rejouais souvent et tout. Mais le 4, rien du tout, quoi. Ça m'a, il m'a vraiment pas fait marrer. Mais il avait chié dessus, hein. Pareil pour Get Out of Hell d'ailleurs, pareil. Ah, j'imagine qu'il est là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mec, c'est un golem de cuisine. C'est Maïté. C'est le Churest.
putain, un Atronach. Un Atronach de poil. Un Atronach de casserole. Ah mais il perd pas de vie en plus, l'enculé. Attends. Where's the goddamn lamb sauce? Fucking bass is fucking raw! Voilà. Et en plus, il y a des poissons sur le bras droit, non? J'ai l'impression. Il va claquer un jour ou pas? Oh, esquive. Yes, on l'a. On a son âme. Hop, balance le piège. J'ai rien? Non, je crois que j'ai rien. Oh, c'était de la merde en fait. C'est bon, maintenant. Peine dans ta gueule. Oh, le bâtard, il s'est barré. Non, il est où? Pourquoi Dan Aykroyd, il l'a et pas moi? Voilà. Voilà, viens là. Ta gueule. Ah, il est bien fatigué. Au-dessus. Allez, les gars. Non, tout à gauche. Voilà, regarde. Goodbye, farewell, motherfucker. Damn, motherfucker. Stick around. Stick around. Happens every day, right? I'm a real American. Yes. Et d'ailleurs, oui, on le voit pas depuis le début, c'est de mort. Il est mort ou quoi? Winston. Ah, il est là. Ok. Bon, la cinématique a crashé aussi de mon côté, hein, donc... amusez-vous bien. We had to make do with this new specimen here. I've been trying to get here for over 4 hours, Peter. Traffic is a little blocked right now. Wait. Okay. I know that thud. Winston, what do you see out there? Mais attends, c'est... It's clean, t'entends le bruit là? Soft and white, and you all aren't gonna like it. No, on entend le... This is not possible. Not here, not c'est now. le Stay Puft. Oui, c'est ça. C'est le bonhomme de Stay Puft. Oh yes, best boy. Ouais, la synchro, je suis désolé, ça vient du crash, le jeu va pas être comme ça certainement chez vous, mais enfenêtré, parce qu'en fait je l'ai foutu enfenêtré là, et il l'est pas normalement nativement, donc je pense que ça vient de là, les problèmes. T'es pas obligé de sortir ton scanner, poteau, je pense que c'est bon. Hein. Non, il a pas crash chez moi, mais en gros, chez moi, il plante un peu. Oh mec, c'est super stylé. Ah, il s'appelle Bibendum en français. Mec, mais c'est super cool. En vrai, ça a de la gueule, non? Faut pas soulever des bagnoles, là. Oh, dommage. Tu peux lancer le truc, s'il te plaît, là? Je veux l'entendre. Yeah, man. What are we? The FDA? We'll have to clear a path through this mess first. Vas-y, fonce. Allez, trace. Il nous voit là. Piou. Nique ta mère. Mais bah quoi? Ouh. Putain, il est en train de créer. Ouais, mais c'est forcément. À partir du moment où tu fais un jeu vidéo, t'es obligé de multiplier les ennemis. C'est un petit peu comme dans les jeux Spider-Man où tu te rends compte que Docteur Octopus, il a des milliers de personnes à sa botte. Pareil pour le Bouffon Vert, etc. Ils sont obligés. Mais ça va, ça se confond plutôt bien avec l'univers. Ça dérange pas, tu vois. Et sûr qu'on est loin du film avec les grognasses. Putain, il était tellement naze en plus. J'ai regardé le début, je me suis fait chier. Il y avait rien qui allait, quoi. C'était pas aussi marrant, c'était pas aussi fun, c'était pas aussi intelligent, tous les persos sont cons, enfin, c'est insupportable, quoi. Bon, en tout cas, moi, je pense que je vais lâcher le stream, là. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas envie de vous montrer plus, parce que j'aimerais bien que vous y jouiez, vous. Et puis, demain, c'est Spider qui prend avec Shadow of the Colossus. Donc, soyez là, parce que c'est le jeu, comme d'habitude, il est gigantesque. Oh, il y a un piège sur la bagnole. Et donc soyez là. Ensuite, la semaine prochaine, c'est les streams normaux jusqu'à vendredi. On commence l'Horrible Octobre.
Donc là c'est pareil, ça va chier, il y aura des jeux flippants, il y aura beaucoup de duos. Ça commencera avec d'ailleurs Spider et moi sur The Evil Within et ça finira avec Spider, moi, Adouim et Poons sur Blair Witch. Donc ça c'est pareil, ça a pas loupé. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Oubliez pas aussi le 31, il y aura un nouveau design de t-shirt sur le magasin et ça va être stylé aussi. En vrai ça va être stylé. Bref, je vous fais de gros bisous. Until Dawn. Tiens, Until Dawn, ça pourrait le faire aussi pour une soirée. Ça, c'est vrai, faut que j'y repense à Until Dawn parce que c'est vraiment un type de jeu que j'aimerais bien qu'on fasse. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Tac, on retourne sur du BRB. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai changé un petit peu le style du BRB. C'est plus des petits pixels maintenant qu'il y a là. C'est plus clair, je trouve. bref, gros bisous, les gars. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans pas longtemps. Allez, ciao.